Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder un Haro Sudoku qui a été posé au Sudoku Grand Prix en 2018 par l'auteur danois Henning Karsgaard Poulsen, avec évidemment ma prononciation relativement aléatoire. La règle de Haro Sudoku, c'est qu'à chaque fois qu'on a une flèche, le nombre, le chiffre ou le nombre, comme vous voulez, qui est dans le rond, c'est la somme des chiffres le long de la flèche. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le reste. C'est du sudoku. Alors déjà, ce qu'on peut repérer... oui, alors 64 points, donc ça ne devrait pas être très facile, mais pas forcément insurmontable non plus. Donc il y a un 2 quelque part par là. Le 2 ne peut pas être une somme de deux chiffres, donc il est ici. Et le 1 ne peut pas être une... Ah, oups. Le 1 pourrait très bien être ici avec un 1 là. Faire attention, c'est cette flèche-là et cette flèche-là, c'est des clones. Ah tiens, on pourrait peut-être utiliser la logique de clone. Ça ne peut pas être 2, 5, 6, 8. Bon, il reste 4, 5 candidats quand même. Ça ne peut pas être un 7, un 9, un 2. Il reste 6 candidats. Donc on ne va pas trop s'amuser à ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ces flèches-là avec 3 chiffres. 1 plus 2 plus 3, c'est 6. Donc ça vaut minimum 6. Ah non, celui-ci est plus restreint. Puisque les deux chiffres ici peuvent pas être 1 et 2, donc c'est minimum 3 plus 4, c'est minimum 7. Ici, ça pourrait très bien être 4, comme la somme 1 plus 3. Ah ça c'est restreint. Ici, le minimum 1 plus 2 plus 3 plus 1, ça fait déjà 7. Minimum 7, mais 7 et 8 ne sont pas disponibles, donc on est sûr que c'est un 9. Et puis, il y a quand même pas mal de limitations, parce que comme je disais, 1 plus 2 plus 3, c'est minimum 6, donc ça c'est maximum 3. Et même chose de l'autre côté. Et on peut même aller plus loin, c'est que la somme de ces 4 chiffres plus la somme de ces 4 chiffres, c'est 9 plus 9, ça fait 18. Et les 4 chiffres qui sont là sont tous différents, donc à eux 4, au minimum, ils valent 10. Ce qui veut dire que les 4 chiffres qui restent, ceux-là, au maximum, à eux tous, valent 8. Donc ça plus ça, plus ça, plus ça, ça fait maximum 8. C'est pas une restriction si énorme quand même. Regardons un peu ça. Dans cette colonne, ce chiffre, c'est la somme de ces deux-là, ça ne peut pas être 8, 9 ou 5. Ça pourrait être 4 sous la forme 1 plus 3. Ça pourrait pas être 6. Je vais noter que ça pourrait être 4. Ça pourrait pas être 6 parce que 6 en deux chiffres, c'est soit 2 plus 4, soit 5 plus 1. Là, ce n'est pas disponible. 7, ça pourrait marcher. Mais en fait, c'est les deux seules options. 7, ça pourrait être par exemple 1 plus 6 ou 3 plus 4. Et 4, c'est 1 plus 3, donc il y a forcément un 1 ou un 3 là-dedans. Bon. Donc ça, c'est minimum 6. Je vais quand même noter 4 candidats. J'aime pas trop faire ça, mais tant pis. Et ça peut pas être un 3, il faudrait un plus 2. Donc le 3 est quelque part par là, sachant qu'il peut très bien être ici en étant cloné là, peut très bien être ici en étant cloné là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux vraiment mettre un 3 ici et là? Parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'aucun des chiffres ici ne vaut 3. Et aucun des chiffres... oui, aucun des chiffres ici ne vaut 3. Je peux encore faire 1, 4, 2, ou disons 1, 4, 2, 1, ou disons 2, ou ça peut être 1, 5, 1, 2, pour faire le 9, ça peut encore marcher. Ouais, ça n'a pas l'air de créer une grosse contradiction. Ah! Alors, est-ce que vraiment A? Ah.
La remarque, c'est que ça plus ça fait la somme de ça et ça. Le 2 n'est pas disponible, donc le minimum qu'on puisse faire, c'est 1 plus 3. Ils ont 1 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait minimum 13. Ça plus ça fait minimum 13. Donc ça pourrait très bien être 9 et 4, donc c'est pas si restrictif que ça. Qu'est-ce qu'il s'agit de trouver? Il faut quand même se concentrer là-dessus, c'est certain. En particulier, qu'est-ce qui se passe si je mets 3 quelque part? Si je mets 3, ça veut dire que dans le bloc, ça va être 1, 2 et 3. Ça veut dire que là, si j'ai 3 ici, ça va être 1 ou 2, ça va être l'autre 1 ou 2, et ça, c'est minimum 4. C'est encore possible, hein. Il n'y a pas de blocage du tout avec ça. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir avec aussi peu d'informations? Ah, mais au fait. Ah, j'ai complètement raté par Sudoku. Le 5 va là. Donc ça, c'est 1 plus 4. Et ici, des chiffres restants, c'est au minimum 3 et 6. Donc ça, c'est forcément 9. Ah oui, voilà. Les deux chiffres qui sont là maintenant sont 7 et 8. Et puis, je sais pas, ça a avancé quand même un petit peu. Ah oui. Donc là-dedans, j'ai un 3 et un 1. Mais... Non, je ne peux pas cloner le 1. Si je décide de cloner le 1, ici j'ai minimum 2 plus 3 plus 4, ça fait 9 plus ça dépasse. Même chose de l'autre côté. Donc forcément, le 1 est ici. Donc ça ne peut pas être un 4. Ça, c'est 7. Avec forcément 3 plus 4, ça, c'est un 6. Là, j'ai pas de 7. Donc les chiffres qui sont là sont 3 et 4 et ils sont clonés ici, ce qui me fait une paire 3 et 4 sur cette ligne. Voilà, on avance. Donc c'était vraiment la conjonction de ces deux 5 que j'avais complètement raté. Maintenant, sachant ça, sachant ça, donc là, il y a une somme quelque part qui ne va avoir aucun chiffre 3. Celle-ci ou celle-là, selon l'endroit où je mets 3 ici, il y a une flèche avec aucun chiffre 3. Auquel cas, ici. Donc ici, ça va être 1 ou 2, et là, ça va faire une somme de 7 ou 8, sans utiliser le 3. Donc 1, 2, 4 ou bien 1, 2, 5. Pas sûr de pouvoir faire quelque chose avec ce renseignement. Est-ce que j'ai encore quelque part une déduction de Sudoku classique que je peux faire. Ce que je remarque, il n'y a pas de 4 là-dedans, donc j'ai un 4 ici ou là. Le 6 est ici par Sudoku. Et sur cette ligne, il me reste à placer 7, 8 et 9. Donc ça, c'est 8 ou 9. Ça, c'est 7 ou 8. Et là, j'ai une paire 7 et 8. Donc ça, c'est un 9. Ça, c'est aussi 7 ou 8. Et là, j'ai 3 et 9 dans les deux cases restantes. Ce qui fait qu'ici, je vais avoir 4 et 5.
Je ne suis pas sûr que ça apporte grand-chose, mais c'est déjà ça. J'ai un 6 par ici. Dans ce bloc, le 9 ne peut pas être sur la flèche, il ne peut plus être que là. Le 9 ne peut pas être ici, donc j'ai un 9 ici aussi. Le 6 ne sera pas sur la flèche. Ça ferait 6, 1. 6 plus 1 plus 2 plus 1, ça ferait déjà 10. Le 6 n'est pas là, donc le 6 va être ici ou là. Le 8 n'est pas là, il n'est pas sur la flèche. Ouais, donc il est là ou là, c'est pas super utile non plus. J'ai un 9 par ici. Et j'ai pas énormément. Ouais, le 9 a 3 cases possibles ici, c'est pas intéressant. C'est pareil pour le 8, cela dit. Le 7, il est pas sur la flèche. Donc le 7 est ici ou là. Puis ici ou là. Bon, faut quand même voir qu'avec ce 6 et ce 8, il y a une de ces flèches qui va être 1, 2, 3. Aïe, aïe, aïe. 64 points, ça... Je trouve ça dur pour 64 points. Faut penser à cette histoire de clone. Hein. C'est... Parce que le chiffre qui est cloné, il est ni là, ni là. Ni là. Le chiffre qui est là, il est forcément dans une de ces deux cases. Parce que si ça c'est un 4, ça c'est un 4. Et si ça c'est un 3, j'aurai un 3 par là. Et ben, comment est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit? On avait dit que ça plus ça plus ça plus ça, c'était un maximum de 8. C'est assez intéressant parce que ça plus ça, ça fait un minimum de 3. Donc 7 cases plus 7 cases, c'est un maximum 5. C'est un maximum 5 et il ne peut pas y avoir de 4 dedans. Donc les chiffres qui sont ici et là, c'est forcément parmi 1, 2 et 3. Celui-là, c'est pas un 1, celui-là, c'est pas un 2. Ici, et on peut aller plus loin, c'est que de même, ça plus ça, c'est minimum 3, donc ça plus ça, c'est maximum 5, sans utiliser 3 et 4, donc c'est forcément 1 et 2, donc ça c'est un 1, ça c'est un 2. Ça c'est complètement inattendu comme raisonnement. Maintenant, sur cette ligne, le 5 est forcément ici.
sa place ce 8, sa place ce 6, sa place ce 6, sa place ce 7. Je place un 5 ici. 5 plus 2, j'arrive à 7. Pour arriver à 9, je suis obligé d'ajouter 1 et 1. Ça, maintenant, c'est 3 ou 4. Et ça, c'est 2, 3 ou 4. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre compte? Là, j'ai 1, ça, plus ça, plus ça, ça doit faire 8. Si je mettais un 3 ici, ça placerait 2 là et là, ça ne marcherait pas. Ça ne ferait pas le bon compte. Donc, j'ai un 4 maintenant là-dedans, ça me place ce 5 et ce 4. Ce 8 qui est ici me place ce 7, ce 8, ce 7 et ce 8. Le 1 qui est là me place 4, 1. Encore finir. Ici et là, j'ai un 7 et un 8. Et cela, c'est parmi 2, 3 et 4. Je vais y arriver. Et ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai un triplé 2, 3, 4. Le 2 est là-dedans. Donc ça, c'est pas un 2. Donc là, j'ai une paire 3 et 4. Et je vois pas bien quoi en faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, les options, si ça c'est un 2, je place 3 et 3 ici. Et ça c'est des 4. Par contre, si ici je place un 4, ça me place 2 et 2 ici. Ça c'est un 3. Et ça a l'air de marcher, hein? Bon, bah regardons, là-haut j'ai 3, 5 et 7, ça sera jamais 7 ici, 5 peut-être. Ah, par contre, je sais que sur cette flèche il doit y avoir un 1, il ne peut plus être ici. De même, sur cette flèche il doit y avoir un 1, il est là, le dernier 1 de la grille est ici. Ensuite, cinq et 7, donc ça c'est 3 ou 5. Là, il me reste les 4 chiffres pairs ici. 8 et 6 ne peuvent pas être là, ils ne peuvent pas être non plus sur ça. Donc le 8 est là, ça c'est 6. Ce 6, ah, ce 6 me donne le 3, le 6. Le 4 qui est cloné ici. Donc 2, 3 et 3. Ça c'est un 4, ça c'est un 2. Là c'est le 3 qui est cloné. Avec le 4 ici, ça me place ce 9 et ce 3. Et là-haut, j'ai 2 ou 4. Bon, on progresse. Hein. Là-dedans, il me faut un 2 et un 4. Donc sur cette ligne, j'ai une paire 2 et 4. Donc ça, c'est un 3, ça, c'est un 4. Et ça résout aussi les paires 2 et 4. Ça, c'est pas un 3, donc ça, c'est pas un 6, c'est un 8. Et ça me place donc le 5 ici. Ça, c'est un 7. Pour faire 6, ça, ça doit être un 3. Ça, ça doit être un 5. Sur cette ligne, il manque 8 et 9. Donc ça, c'est 9. Ça, c'est 8. Ça, c'est 9. Ici, j'ai besoin d'un 3 et d'un 7. Il y a déjà un 3 sur cette ligne. 7 et 6 ici, donc 6, 6, 6, 7, 8, 7, 2 ici, et un 5 là, ouf, à 64 points, ça me semble un peu sous-évalué, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment difficile comme problème. Bon, j'ai quand même résolu, sans me planter, et c'était ma première tentative, hein. C'est pas la troisième vidéo que j'essaye pour résoudre ce problème. Mais c'était du sport, hein. Je pense que dans le cadre d'un concours, j'aurais abandonné largement avant et j'aurais peut-être eu raison au niveau du rendement.
Ben, au prochain Grand Prix, il y a un Arrow à 80 points. Autant dire que ça ne va pas être une mince affaire. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudo Canard.